Salut à tous. Et bien, comme vous pouvez le voir, on se retrouve à nouveau sur Sekiro. Donc ici, comme vous avez pu voir au titre, on va parler un petit peu de ce katana que j'ai dans le dos. Hein. Vous l'aurez peut-être sans doute pas remarqué, mais j'en ai un deuxième qui est en rouge. Donc ça, en gros, on va aller faire un petit tour ici. Et vous allez voir, donc là, on a affaire à la lame de la mort. Donc une espèce de katana qu'on peut dégainer avec l'art du combat. Et qui permet tout simplement de faire ceci. Ça fait du dégât. Alors attention, hein, ça bouffe des emblèmes. Donc emblème tout en bas à droite, hein, il est marqué 0. Hein, ça les emblèmes, c'est ce qui permet de servir en gros du bras mécanique et d'utiliser tel ou tel truc. Et bah le fait de se servir de l'âme de la mort dépense aussi des emblèmes pour rendre ses coups plus puissants. Alors un petit peu plus puissants. Ce qui est dommage, c'est que ça les bouffe et qu'on n'a pas le choix. Ça c'est un peu dommage parce que de base, bon, voilà, ça tape. Mais bref, donc passons outre. Ici, je vais vous montrer tout simplement vite fait le chemin pour y aller. Donc là, on est tout en bas du château, hein, d'Ashina. Vous aurez sans doute reconnu. Alors faites pas attention, hein, moi je suis pratiquement à la fin du jeu, donc c'est pour ça que le pont il est élevé. Enfin bref, qu'il manque le pont et il y a bricole. On s'en fout. Donc je vais vous retracer le chemin pour y aller. Tout le chemin. Donc je vais y aller vite fait, bien fait. Il n'y aura pas de combat, ce genre de choses. Ou en tout cas, je ne pense pas. Bref. Faites pas attention, c'est fermé de base. Faites attention, donc le chien est ranqué ici. Hein. Donc là, il est rangé à droite, mais faites attention, hein, il est en plein milieu à la base. Alors, pour ceux qui ont fait attention, oui, il y avait bien marqué plongée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on débloque plus tard. Quand il vous tente. Alors, on va s'écarter parce que ça va me toucher. Il va forcer à attaquer comme ça on a le temps. Donc faites pas attention, lui aussi c'est parce que je suis pratiquement à la fin du jeu qu'il est là. Et ils font mal, hein. Donc faut faire super gaffe. Il y a la route, hein. Il y a la route. C'est très long. Ah, juste le temps que je me rappelle pas où j'étais passé. Voilà, c'est par là. Alors, petite parenthèse, tiens, tant qu'on est ici. On va y faire un petit tour. C'est important quand même. Petit hors sujet. Vous avez pu voir qu'avec le bras mécanique, on a accès à différentes choses. Notamment le fait de pouvoir, on va dire, contrôler un ennemi. Donc en faire une marionnette. Et ça va servir plus tard. C'est ce que j'ai aussi apprécié dans le jeu. C'est le fait qu'ils mettent à contribution certains aspects du bras mécanique. Et par exemple, c'est le cas tout en bas ici. Plus tard, pour avancer dans le jeu, vous n'aurez pas le choix. Alors tiens, on va les tuer ceux-là pour être tranquille. J'espère qu'il n'est pas gêné. Bref, quand on va descendre ici, tranquillou, fais gaffe, hein, il y a un ennemi de base. Ah bah tiens, il est toujours là en tant que marionnette, impeccable. Donc, quand on va le contrôler lui, à la base il va être ici. Hein. On vient dans le dos, on va lui faire un coup mortel. Alors évidemment au préalable, il faut s'équiper de ce qu'il faut. Hein. Donc là pour le coup on va aller dans des jutsu, choisir marionnettiste. Bref, et automatiquement quand on lui porte un coup mortel, ça en fait une marionnette pendant quelques secondes. Alors, sur les ennemis lambda, sur lui, il reste en tant que marionnettiste parce qu'on n'a pas le choix, c'est pour l'histoire, donc c'est aussi bien. Il va dérouler le fameux cerf-volant qui nous permettra de passer en face, une fois là-haut. Et donc d'aller chercher quelque chose d'assez particulier. Bref, ça c'est pour ça que ça intéresse, c'est quand il faudra aller chercher une autre partie du serpent. Mais bon, passons outre. Donc faites gaffe, hein, ici il y a plein de moines, hein, évidemment. Ils sont pas encore trop méchants. Ouais, ils font quand même assez mal.
Donc fouillez bien toute la zone, il y a pas mal de choses partout. Ici la porte est fermée, donc on passe à gauche et on s'infiltre. Pour ceux qui se poseraient la question, à savoir si cela on peut les buter, oui, on peut, hein, pour le coup. Et plus tard, on pourra enlever leur immortalité. Donc ça, c'est la petite vieille d'ailleurs qui va nous parler justement de ce fameux cerf-volant qu'on peut voir ici. Celle qui nous donne un indice en montrant une direction vers le bas. Et en fait, ce qu'elle indique, c'est le cerf-volant qu'elle a. Voilà, donc il faut bien comprendre ce qu'elle explique, le côté marionnettiste. J'ai pas tilté au début, mais quand je me suis rendu compte que j'ai effectivement un pouvoir avec le bras qui pouvait faire le marionnettiste, c'est là que j'ai tilté, je suis descendu, j'ai activé le truc, etc. Bref, évidemment, prévoyez des points, hein, des points d'emblème, hein, pour utiliser le bras. C'est là. Hop là, et on passe ici. Ah, le pont est coupé, on peut pas y aller, nous on a rendez-vous tout là-haut. Allez, petit feu de camp. Histoire de plus avoir sous le dos. Ah, c'est délicat, c'est long. Alors là où il y a un petit vendeur qui vous y attend, hein, n'hésitez pas à y aller. Qu'à faire. Alors on avait quoi? On avait deux passages. Faut faire gaffe au tireur au-dessus, évidemment. Alors là-haut, j'avais quoi? Faut peut-être aller revoir là-haut. Je puisse, c'est pas un cul-de-sac. Oui. Ah non, ok, il est ramené à lui. Donc faites gaffe à les mystères gros casque comme ça, ils font mal. Cap au coup au court. Ah tiens, j'ai pas vu ça. Enfin j'ai là où il y a un objet que j'ai pas pris. Donc là on est censé monter. Jusque là-haut. Je suis bien tenté d'aller voir là-haut. J'ai pas encore été. Ça fait loin quand même. Bon, je suis pas y aller tout de suite. On va se concentrer déjà sur ça. Donc une fois arrivé ici, il va falloir affronter un chevalier. Alors faites gaffe, hein, dès que vous rentrez, brouillard, forcément c'est un boss. Donc le chevalier sera planqué sur le côté droit, ici. Méfiez-vous, il fait très mal, et en plus il encaisse très très bien. Mais disons que c'est une séquence assez particulière, assez sympa du jeu, que j'ai plutôt bien apprécié. Le but c'est en gros de le faire tomber, hein, tout simplement dans le vide. Donc lui il va casser les barrières, qui est ici, hein, les bords. Une fenêtre ou je sais pas quoi, les cloisons, on va appeler ça comme ça. Et ayant donné, à force de le taper, on peut le pousser dans le vide. Et vous allez voir ce qui se passera. Franchement, c'est sympathique. Donc il peut paraître super costaud, mais si on gère bien, il n'y a pas trop de soucis. Et moi, en plus, comme j'avais déjà la lame de la mort, voilà. J'ai pas eu spécialement besoin de le faire tomber, mais en tout cas, non. Il a morflé, quoi. Bon, il est tombé quand même. Je pense que de toute façon, on est obligé, il finit par tomber. Sauf si on peut le tuer, j'imagine certainement. Sans le faire tomber, c'est peut-être possible. Je sais pas, je vais pas essayer. Enfin bref. Là, on a l'escalier. On va descendre. Donc, ouais, je coupe au court. Hein, évidemment. Donc, le but, c'est de se rendre par là-haut. Donc, fouiller toute la zone, hein, évidemment. Là, la porte est fermée à gauche, hein. C'est pour ça que je contourne. On passe pas ici. Donc faites l'intérieur, hein, des bâtiments. Hein. Mais méfiez-vous. Hein. Ici il y a des méchants, il y a les girafes, hein. Celui qui a griffe, qui fait mal. Et
Il y a la route, hein. Franchement, il y a la route. Je me rappelle pas qu'il y avait autant. Et nous on prend ça. Vite fait, bien fait, tranquille. Hop là. Tant que vous faites gaffe, hein, foncez pas comme ça tête baissée. Tuez-les tranquillement, prenez-les un par un. Etc. etc. Donc une fois arrivé ici, là ça devient intéressant. Vous faites tout le tour de la pièce, tout ça, il y a quelques objets. Mais ce qui nous intéressait, c'est ça. Cette petite table avec le truc à inspecter. Et ça, ça va nous permettre de nous téléporter. Là où il va falloir aller. Donc là, en gros, on va se retrouver dans le monde des illusions, dans lequel on va pouvoir donc, enfin, ou plutôt on va devoir aller chasser trois singes. Chasser, enfin tuer, c'est la même chose. Alors, c'est assez délicat. Il y en a un qui peut te voir de très loin, donc il va s'enfuir à chaque fois. Il va falloir essayer de le choper. Il entend. Donc là, pareil, ça va être difficile parce qu'il entend très bien, donc il va s'échapper. Et puis je crois qu'il y a le troisième qui lui par contre, alors il n'avait pas la vue, il n'avait pas, il me semble, l'ouïe. Par contre il a l'odorat, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin ils ont chacun un truc différent. Mais bon, les trois étaient assez chauds à choper. Enfin bref, donc une fois que les trois sont chopés, tout ça, donc une petite cinématique qui va s'enclencher. Et pour le coup ça vous amène ailleurs. Ça vous amène, oups, ça vous amène ici. Donc là on va quitter le hall des illusions et on va aller ailleurs. Alors je crois que non, c'était par là si je dis pas de bêtises. Ah c'est par là je crois. Une fois qu'on a papoté tout ça, hein, ça nous met ce point de téléportation. Et ça nous amène ici. Zone plutôt sympathique d'ailleurs. Alors évidemment le point de téléportation reste là, comme ça on peut retourner au hall des illusions si nécessaire. Bref, vous prenez votre idéal et rendez-vous avec la petite demoiselle qui est ici. Et c'est elle qui vous remettra la lame de la mort. Après avoir papoté avec elle, etc. Oh, Shinobi de l'héritier divin, j'attendais votre retour. Prenez ce riz. Merci. Bénissez-nous avec une récolte abondante. Vous avez ma gratitude. Bien sûr. Le riz est une chose précieuse. N'oubliez pas de bien mâcher avant d'avaler. Merci de votre visite. Et voilà, votre lame de la mort. Alors évidemment, il faudra avancer un petit peu dans le jeu. J'imagine qu'on ne peut pas l'avoir d'entrée de jeu. Il faudra pouvoir avancer tout ça. Mais en tout cas, voilà comment l'obtenir. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas d'ailleurs qu'on a une idole donc, pour se retéléporter, mais aussi... pour le coup que là on peut sortir de l'autre côté et aller débloquer un raccourci, comme ça on n'a plus besoin de se TP en fait, tout simplement. Un petit raccourci qui va nous ramener, vous allez reconnaître l'endroit, hein, tout simplement nous ramener ici. Voilà, et bah sur ce je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde.